Ce durcissement du mouvement, c'est le gouvernement qui le veut. Ça va lui coûter très cher sur le plan politique. Et ça va aussi coûter très cher au patronat sur le plan économique, puisque une journée de grève générale, c'est 1,5 milliard à 2 milliards d'euros perdus chaque jour pour le patronat.